Et si Diego Maradona avait finalement gagné la bataille qu'il oppose depuis des années au fisc italien? Son avocat annonce l'abandon de toutes les poursuites envers l'ancienne gloire du football argentin. C'est faux, répond la direction des impôts, qui précise que la dette fiscale d'El Pibe de Oro n'est ni abandonnée, ni annulée, ni réduite. En 2005, la Cour de cassation l'avait condamné à verser près de 40 millions d'euros d'arriérés d'impôts, datant de l'époque où il évoluait au Napoli entre 1984 et 1991. Un jugement cassé en novembre 2011 pour erreur de procédure. À Naples, avec qui il a gagné une coupe de l'UEFA et deux fois le championnat d'Italie, Diego Maradona est toujours vénéré comme un dieu vivant.